Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre. C'est très impressionnant de vous voir aussi nombreux. Ça faisait longtemps et ça fait du bien de voir des gens pour parler de belles choses, pour parler de livres, pour parler de femmes. Femmes africaines et puissantes, trois mots qui nécessitent chacun un séminaire entier. En même temps, trois mots qui pourraient presque être des synonymes, si j'en juge, parce que j'ai lu, ce que j'ai eu le bonheur de lire. Autour de cette table, à ma droite, Emley Boom. Emley Boom, vous êtes l'auteur de votre tout dernier ouvrage s'intitule « Les jours viennent et passent ». C'est aux éditions Gallimard. Emley Boom, vous êtes née au Cameroun, mais vous vivez en France, si je ne m'abuse. Si mes notes sont bonnes, vous avez une maîtrise en sciences sociales. Vous avez également un DESS en marketing et qualité. Vous avez travaillé plusieurs années à Douala, mais donc vous vivez à Paris. Vous avez écrit votre premier roman en 2010, Le clan des femmes. En 2015, les Maquisards vous valent le Grand Prix de l'Afrique noire, un prix extrêmement prestigieux. Et donc en 2019, les jours viennent et passent, nous allons en parler dans un instant, nous allons nous plonger dans l'univers de vos personnages. À votre droite, nous changeons d'univers, pas complètement mais quand même, nous sommes dans le dur, dans le réel. Géraldine Faladé, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de ce livre de témoignages de 17 portraits de femmes exceptionnelles, ça s'intitule « Turbulentes » au pluriel, des Africaines en avance sur leur temps, c'est publié aux éditions Présence Africaine. Géraldine Faladé, vous êtes donc, je l'ai dit, journaliste, vous êtes née à Porto Novo, vous avez participé à la création de La Vie africaine, que je crois on appelle aujourd'hui l'Afrique actuelle. Vous avez également travaillé à l'Office de coopération radiophonique, l'ancêtre de Radio France Internationale. Vous avez également travaillé au ministère de l'Information au Tchad, et donc vous avez un long parcours de journaliste qui vous a permis de rencontrer beaucoup de personnalités. Vous nous emmenez sur les traces de ces femmes pionnières dans différents pays d'Afrique, des femmes qui ont tracé le chemin pour toute une génération de jeunes femmes, leur montrant le chemin des possibles. Enfin, à votre droite, Géraldine Faladé, Charline Effa. Charline Effa, vous avez récemment publié La danse de Pilar aux éditions La Cheminante. Vous êtes née au Gabon. Vous vivez également en France depuis de nombreuses années. Vous êtes titulaire d'un doctorat en lettres modernes. Vous êtes également chef d'entreprise, m'a-t-on dit. Mais vous écrivez, alors tel que l'a écrit dans le programme notre parrain à tous, Alain Mabankou, vous écrivez la nuit et vous êtes chef d'entreprise le jour. Vous avez donc une vie cachée d'écrivaine. Pas si cachée, parce que ce livre est absolument magnifique, La danse de Pilar. Nous allons également nous pencher dessus, parce que pour parler de femmes puissantes, quel meilleur moyen que de nous pencher sur la littérature et ce que peut renfermer la littérature comme secret. Emley Boom, je vais commencer par vous, et donc je parlais tout à l'heure, Les jours viennent et passent. C'est un roman en deux volets, on peut dire. Nous partons sur les traces de trois générations de femmes, des femmes seules à la fois, effectivement puissantes, mais une fois qu'on a dit cette expression, il faut se plonger dans le détail de ce que ça veut dire. Parce que puissante, ça peut être positif, ça peut aussi être négatif. Et en tout cas, c'est le fruit du poids aussi de toute une histoire. Des femmes qui sont orphelines de naissance, des femmes adoptantes, des femmes qui vont à la fois s'entraider et aussi se transmettre. Une force hors du commun. Au cœur de ce roman, nous allons retrouver Anna. Au tout début du livre, nous la retrouvons en soins palliatifs. Elle est au crépuscule de sa vie. Et au crépuscule de sa vie, elle se souvient. À travers le mécanisme du souvenir, vous allez dérouler à la fois l'histoire de ces femmes et aussi l'histoire d'un pays. Et puis, il y a sa fille qui l'accompagne, Abby, qui a choisi un chemin différent. Abby vit en France. Et nous nous plongeons encore une fois à la fois dans sa vie intime, privée et ses déboires familiaux et parallèlement avec on se penche sur l'histoire du Cameroun. Quel a été le point de départ, Emley Boom, de ce livre, et peut-être dans un deuxième temps nous dire pourquoi vous avez fait le choix de raconter un pays à travers l'histoire de femmes et de leur histoire intime? Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux, ça fait tellement plaisir. Je pense qu'on a tous souffert d'être séparés les uns des autres et quand on vous a vu tous débarquer les uns après les autres et remplir la salle, ça fait chaud au cœur. Merci en tout cas d'être tous là.
D'où vient ce livre, en fait? C'est très simple, hein. Le livre, il vient de ce qui s'est passé avec les attentats de Charlie Hebdo. Et comme tout le monde, j'étais devant ma télévision un petit peu sidérée et apeurée par tout ce qui se passait là. Et 15 jours, presque jour pour jour, dans mon pays, le Cameroun, à l'extrême nord, dans une ville qui s'appelle Kolofata, il y a eu un attentat terroriste qui a fait 150 morts. Et j'ai été surprise, n'est pas le mot, atterrée par l'empathie internationale qu'il y avait eu pour Charlie Hebdo et le silence et l'indifférence qu'ont suscité les morts de Kolofata. Pourtant, c'était la même violence qui s'abattait sur nous. C'était encore le terrorisme et le fondamentalisme, mais les réactions n'étaient pas les mêmes d'un côté ou de l'autre du monde. Et que Kolofata ne fasse pas écho ici, à Paris ou à Londres ou à New York, je peux l'entendre. Après tout, on est vite saturé de la violence qui nous arrive en ce moment, mais que Kolofata ne fasse pas écho à l'intérieur de mon pays, c'était autre chose. Pour moi, c'était extrêmement violent que dans des villes, moi je viens de Douala, je suis née là, j'ai grandi là, et à l'intérieur de Douala, les gens ne savaient pas que dans notre pays, un peu plus au nord, il y avait 150 personnes qui venaient d'être tuées par la secte Boko Haram. Et je me suis demandé pourquoi, comment est-ce possible une telle indifférence? Comment est-ce possible qu'il se passe des choses d'une telle violence, que ça nous arrive à ce point? Moi, Douala est très cosmopolite. Évidemment, des personnes qui viennent de la zone ravagée habitent aussi à Douala. Nous sommes très mélangés. Et pourtant, il n'y a pas eu d'écho. Et moi, je suis romancière, si vous voulez, je ne suis pas journaliste, j'ai un temps d'écriture qui est un petit peu décalé. Et ma question, c'était de dire comment, qu'est-ce qui constitue ce pays? Comment est-ce possible qu'il y ait un tel cloisonnement des luttes et des souffrances? Et j'ai pensé que c'était intéressant d'analyser la transmission. Pas la transmission conventionnelle, j'en parle aussi de la transmission conventionnelle et de comment... La génération coloniale ou postcoloniale et celle qui a suivi s'est éduquée à l'école de façon conventionnelle, mais il était aussi important pour moi d'analyser la transmission par l'intime, la transmission à l'intérieur des familles et à quel point la société influençait profondément la manière dont se transmettait la parole, la manière dont agissait le silence et les non-dits. Vous choisissez de le faire à travers trois générations de femmes. Je disais trois générations, j'ai cité Anna et Abby. Il y a aussi Tina, une adolescente, puisque dans la première partie, on est plus dans la période des guerres d'indépendance. Dans la deuxième partie, c'est Boko Haram. On est dans une époque beaucoup plus récente. Mais effectivement, on peut voir l'héritage, si j'ose dire, l'héritage de la violence. Pourquoi, à travers des femmes en particulier, vous avez choisi de raconter le pays? Parce que j'avais choisi l'intime, en fait. Parce que j'avais choisi l'intime, parce que j'avais choisi la cellule familiale, les rapports conjugaux, la place des femmes dans la société. Le personnage d'Anna, on la rencontre à la fin de sa vie. Et en fait, elle fait partie de cette génération post-coloniale. Ces femmes de la génération post-coloniale, comme ont pu l'être les femmes de la génération de ma mère, en fait, qui ont tout appris, qui ont fait leurs études chez les bonnes sœurs, qui se sont inscrites dans une éducation occidentale pour s'émanciper. Et cette émancipation avait... Le prix de cette émancipation, mais elles l'ont compris beaucoup, beaucoup plus tard, était aussi une disqualification de ce qu'elles étaient, de ce qui les constituait avant, et aussi, d'une certaine façon, de taire ce trajet-là pour, de façon tout à fait, comment dire, c'était pas une bêtise de leur part, c'était un espoir dans l'avenir. Par exemple, les langues, moi j'ai toujours été surprise. Dans la société camerounaise, on peut déterminer la classe sociale des parents, des enfants de ma génération. On peut déterminer leur classe sociale dans est-ce qu'ils parlent leur langue maternelle de façon fluide ou pas.
parce qu'on a 250 langues et qu'il y a plusieurs personnes qui ont arrêté de parler leur langue à leurs enfants. Moi, par exemple, j'ai appris mes langues avec mes grands-mères. Et je me suis demandé comment une maman peut ne pas parler sa langue à son bébé. Quel type de violence ou de séduction va s'appliquer là pour que, y compris là, dans cette intimité-là, on soit déjà dans une forme qu'on soit si fort tourné vers autre chose, vers l'extérieur, quelque chose qui n'est pas soi, quelque chose qu'on a soi-même acquis dans une forme de violence symbolique ou réelle, et qu'on va transmettre à ses enfants pour les faire grandir. Et c'est cette intimité-là que je voulais étudier, parce que le récit du silence est aussi là-dedans. Le récit du silence est aussi dans cette espèce de conflit de loyauté entre ce qu'on est, ce qu'on a porté et ce vers quoi on aspire. Bon, on va y revenir dans un instant, Emily Boom. Charline Effa, je me tourne vers vous, parce qu'évidemment, récit intime et grande histoire, on le retrouve aussi dans votre livre La danse de Pilar. Et d'ailleurs, pas seulement, puisque a précédé un autre livre intitulé Naître, alors N' et le verbe être, qui est l'histoire d'une mère et de sa fille. On est encore dans la transmission, ou dans la non-transmission aussi, celle du silence et des non-dits. Mais dans La danse de Pilar, le contexte est un petit peu différent. Nous nous retrouvons le narrateur est un fils qui s'appelle Paterne et qui va parler de cette mère Pilar, qui est une mère, alors on pourrait dire une femme puissante, puisqu'elle a pris, semble-t-il, son destin entre ses mains. Elle danse pour le parti politique en place, elle est d'une sorte de passionnariat d'égérie, mais il y a aussi tout ce que ça implique au sein de la cellule familiale. Juste votre micro, attention. Pardon. Il y a tout ce que ça implique au sein de la cellule familiale. Et puis, il y a un mari, Salomon. Donc, on est dans un mariage d'intérêt. Cette femme puissante a épousé un homme qui l'a épousée par intérêt, qu'elle a épousée aussi par intérêt. Et là, on est dans l'héritage direct de la violence intrafamiliale. Mais donc, quoi ? La grande histoire a apporté cette violence au sein de la cellule familiale, c'est bien ça ? Tout à fait. Merci à vous d'être là. Et merci pour cette question. Parce que ceux qui connaissent un peu l'Afrique... Je parle de l'Afrique subsaharienne, du Gabon, du Congo, du Zaïre et aussi du Togo. Je cite un peu les pays que j'ai visités. Et ceux qui connaissent ces pays d'Afrique pourront se souvenir que dans les années 80 à 90, c'est-à-dire les années post-coloniales, il y a des chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir. Des chefs d'État qui étaient des dictateurs, ça je n'ai même pas besoin de le dire. Et ces chefs d'État avaient constitué ce qu'on appelait des groupes de propagande, des groupes propagandistes qui étaient gérés par des femmes. Pilar est l'image d'une de ces femmes qui gérait un groupe de danseuses. C'est-à-dire que lorsque je raconte un peu le Gabon de ces années 90, je fais rire mes amis lorsque je leur dis qu'à la télévision, à la radio, il ne manquait pas un jour, c'était pratiquement matin, midi et soir, qu'on voyait des images de ces femmes qui dansaient pour la gloire du chef de l'État. Et dans mon imaginaire d'enfant, je pensais qu'après Dieu, c'était Bongo. Bongo qui était le président, Ellah Omar Bongo, du Gabon à cette époque-là. Et donc Pilar, c'est l'image de cette femme qui est une cheftaine d'un de ces groupes qui chante pour la gloire du chef de l'État. Et ceux qui connaissent aussi un peu le Gabon, qui est un petit pays de 2 millions d'habitants, savent que le président Omar Bongo donnait une place de choix aux femmes. C'est pourquoi nous avons affaire dans ce roman à une femme effrontée, pratiquement. Il donnait une place de choix, il accordait une place de choix à l'éducation des femmes. Peut-être, certains disaient, parce qu'au Gabon, la population féminine est largement supérieure à celle, à la population masculine. Il y a 3 femmes pour un homme. D'ailleurs, les Gabonais sont très contents de dire souvent que normalement, chaque Gabonais a le droit d'épouser 3 femmes. Ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, ces femmes qui occupent le pouvoir d'une certaine manière, parce que le président, parce que les pouvoirs politiques ont besoin d'elles, cette occupation du pouvoir va créer cette effronterie qui va justement modifier les rapports intimes. Et quand on le voit dans le roman, lorsque Pilar rencontre son mari Salomon, elle est puissante.
cette femme déjà. Elle est puissante, elle est responsable d'un groupe, elle est aussi l'amante du chef de l'État. Et son mari n'a qu'à se taire parce qu'il a besoin d'un certain confort matériel qui lui provient des arrangements que sa femme entretien avec le chef de l'État. Et pour moi, c'était aussi l'occasion de faire émerger certaines figures féminines qui ont compté à des périodes sociales et politiques en Afrique. C'est vrai que c'était le culte du corps de la femme surtout. Elles ont compté à travers leur corps, elles se trémoussaient pendant la fête des mères, pendant la fête du parti au pouvoir. On comptait sur ces femmes, elles étaient présentes, c'était parfois obscène, mais c'était puissant parce que ça consolidait le pouvoir du chef de l'État. Et quand on regarde, quand on observe les différentes révolutions qui ont traversé l'Afrique, les révolutions juste après, pas les combats pour les indépendances, les années 80 et 90 ont fait émerger les premiers soubresauts liés aux démocraties. Les vents populaires ont soufflé en Afrique. Et donc, ces femmes qui étaient cheftaines des groupes d'animation, des groupes de danse, se sont affirmées autrement. Elles sont devenues des syndicalistes après, qui ont fait avancer les droits des femmes, sans être des féministes avant-gardistes qui brûlaient leur soutien-gorge. Non, ce n'était pas du tout ça. Mais elles ont fait avancer les droits des femmes. Et j'avais besoin d'interroger justement toutes ces figures féminines dans l'Afrique des années 80, 90 et peut-être 2000 pour les années à venir. Alors, une femme puissante, certes, mais cette puissance, elle a un prix, puisqu'elle est d'une certaine façon dépendante de ce chef politique qui lui donne ses moyens. Et puis, plus tard, on ne va pas tout dire évidemment parce qu'il faut lire le roman, mais plus tard, elle va être aussi rattachée à un pasteur. Donc il y a quand même cette présence, c'est-à-dire que la femme, elle est puissante, mais en même temps, elle sert, c'est-à-dire qu'elle elle est aussi utilisée par ses pouvoirs, qu'ils soient religieux ou politiques. Est-ce que Pilar est vraiment libre et puissante autant qu'elle le voudrait ? Les choix de Pilar sont conscients. Elle sait qu'elle doit se servir de son corps pour acquérir tout ce prestige qu'elle a dans le roman. Elle est aussi consciente du fait qu'elle est vieillissante et qu'elle a besoin d'un homme. C'est pourquoi elle va jeter son dévolu sur le jeune Salomon. Oui, puissante, elle est assurément, et que cette puissance a un prix parce que justement lorsque les vents démocratiques vont souffler en Afrique, et que ces groupes culturels, ces groupes de danseuses vont commencer à être déstructurés, de nombreuses femmes vont se retrouver à ne plus savoir que faire. Alors, on va y revenir. Je me tourne vers vous, Géraldine Faladé. On va parler, puisqu'on parle de danse, j'aimerais qu'on parle d'une des figures de votre livre, parmi les nombreuses que vous évoquez, les 17, à savoir Germaine Accogni. Germaine Accogni, qui... elle est née en 1944 au Dahomey, orpheline à 6 ans, se découvre un talent pour la danse. À l'école, ça ne va pas du tout. En revanche, elle sait quoi faire de son corps. Elle a cette puissance du corps que vient d'évoquer Charline Effa, elle l'a en elle. Et elle va être une pionnière dans la transmission de la danse africaine. Est-ce que cette transmission de la danse africaine, c'est déjà en soi quelque part un acte politique au sens large du terme ? Bon, avant de répondre, je tiens à vous remercier tous et toutes d'être là. Vous êtes nombreux et nombreuses, mais plus nombreuses que nombreuses, c'est pas grave. Ce qu'on va dire ou ce que nous sommes en train de dire, je suis sûre qu'il ira d'écho en écho, donc portera. Maintenant, je vais essayer de répondre à, d'abord, mes deux jeunes sont plus éloquentes, convaincantes, et elles me donnent envie de fouiller. Mais je vais essayer de répondre pour Germaine Accogni, que j'ai connue. Elle s'est battue seule pour y arriver. Son père ne l'a pas soutenu, il aurait préféré avoir un magistrat.
C'était l'époque des papas qui voyaient, ou des pères qui voyaient leur... C'était encore l'époque des papas qui voyaient leurs filles médecins, avocats, danseuses à l'époque. Vraiment, la danse, la première chose qu'on a dit, que les vieilles tantes, ou les tantes, elles ne sont pas vieilles, les tantes ont commencé à dire à Germaine, comment tu vas vivre avec ça? Comment tu vas vivre? Parce qu'il faut vivre. Parce que les femmes que j'ai connues pensaient à elles-mêmes. Il faut vivre, il faut gagner sa vie. Alors cela ne peut pas te permettre de gagner ta vie, à moins de te soumettre peut-être. Mais déjà, beaucoup de ces femmes n'étaient pas des femmes soumises. Et Germaine n'a pas été soumise. Elle s'est servie de son corps, de sa volonté pour avancer. Elle a eu, c'est une chance quand même, elle a eu la chance d'être au Sénégal, et bien qu'elle soit née au Bénin, au Dahomey, son père est venu à travailler au Sénégal. Quand elle est tombée orpheline, quand elle est orpheline, son père l'a ramenée au Sénégal, donc a fait souche. Et elle a eu la chance d'avoir Léopold Sédar Senghor, le poète, l'homme des arts, qui était content d'entendre savoir qu'il y avait Germaine, au moment que Germaine a connu, qui voulait faire de la danse, au moment où Catherine Dunham aussi, une afro-américaine, essayait était venue s'implanter, mais Germaine a tenu, et je pense que c'est la ténacité ou l'entêtement de Germaine qui a fait que Senghor a eu envie de faire venir Béchard, qui lui-même a un parent de Saint-Louis. Donc, c'est comme ça que Germaine a pu avancer en se privant de tout et de tout, et en inventant, elle était pleine d'imagination pour avancer dans la danse. Elle inventait des tournées. Une fois qu'elle a d'abord pu créer cette Mouda Afrique, mais elle était dans tous les pays, dans les pays africains, chez les chefs d'État, les convaincre qu'ils ont envoyé pendant un moment des étudiants à Dakar pour apprendre la danse. Voilà. Et puis elle a avancé, elle s'est entêtée, elle a pu faire ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle a toujours voulu faire, jeune. Peut-être pas enfant, mais jeune, elle a toujours voulu faire la danse. Voilà. La gymnastique, elle ne voyait pas la gymnastique uniquement comme un moyen de parler dans la danse, mais c'était la danse, et ça, c'est resté la danse. Et c'était une façon de faire entendre sa voix, si j'ose dire, par son corps. Je la cite à travers vous, puisque vous l'évoquez dans le livre. Elle disait « Par la danse, le corps écrit l'histoire, raconte la vie, reflète l'évolution du monde, chante la joie, mon corps et ma plume ». Ça doit faire écho aussi à Pilar, Charline Effa. Hein. Mon corps et ma plume, c'est aussi Pilar, ça. Tout à fait. Lorsque j'entends parler de ces personnages de Germaine Accoyi, de cette femme qui a existé, ça fait écho à Pilar, en effet, parce que pour la construction du personnage, je me suis inspirée de femmes vivantes au Gabon, qui vivent encore, elles sont pas encore décédées, mais des femmes qui ont été influentes, qui étaient de réelles danseuses, et parmi lesquelles une qui a été première dame, et qui aimait tellement la danse et la musique qu'elle a demandé le divorce. Et c'est là aussi je vois la femme puissante. Et j'aime cette idée de déconstruire un peu les imaginaires, c'est-à-dire que il y a plusieurs Afriques. Moi, je viens d'une Afrique, d'un pays, le Gabon, on est 2 millions d'habitants, et je n'ai pas connu de femme qui ait souffert des mariages forcés. Je n'ai pas connu de femmes qui se soient entêtées à rester dans un mariage polygamique parce que les parents l'avaient décidé. J'ai plutôt connu des femmes qui choisissaient, et ça a commencé par mon arrière-grand-mère, une femme qui est née dans le XXe siècle, au début du XXe siècle, mais qui a fait le choix. Et cette puissance-là, elle m'intéresse. Ces femmes transgressives, dont Germaine Accoyi, Pilar, la danseuse, et cette femme qui a inspiré le personnage de Pilar, comme je l'ai dit et je me répète, elle divorce, elle va vivre aux États-Unis pour vivre de musique et de danse. Et il faut le faire dans les années 90, surtout quand on est marié
à quelqu'un qui coupait la tête de ses opposants. Et donc, moi, je trouve qu'elle est particulièrement croustillante, cette femme qui a inspiré le personnage de Pilar. Géraldine Falladé, parmi les différentes femmes que vous évoquez dans Turbulente, il y en a plusieurs qui, effectivement, n'ont pas eu peur de divorcer. Alors, par choix ou pas, d'ailleurs, en tout cas, parfois, elles ont payé le prix de cette liberté à travers leur situation familiale, c'est-à-dire que ce besoin et cette envie d'exister à travers leur métier, à travers la vie qu'elles avaient choisie, a pu aussi leur coûter leur mariage, mais l'envie de liberté était plus forte. Coûter le mariage, à partir du moment où ça ne vous apporte pas ce que vous voulez, ça ne coûte plus. Vous partez, vous avez le courage de partir. Ça ne veut pas dire, dans les cas que j'ai connus, que votre mari ou votre ex est devenu un ennemi. Vos voies ne vont plus ensemble. Vous pensez que c'est là que la voie que vous avez choisie vous permettra de réussir. Vous assumez, vous acceptez. Vous veillez à ce que... Il y a eu des enfants dans les cas que je... Vous veillez à ce que vous ne deveniez pas des ennemis. Et que l'autre ne fasse rien, le mari, l'ex-mari, ne fasse rien pour vous faire regretter ou vous torpiller. Donc, vous avez le courage de partir. Peut-être que socialement, on ne s'attend pas à ce qu'on divorce à l'époque, mais on a le courage de le faire. C'est parmi les premières aussi. On ne divorçait peut-être pas. Ou on s'est dit, nos arrière-grand-mères ont été seules, ont pu lutter contre le colonisateur, ont pu aider nos fils, leurs fils ou leurs frères à avancer. Je parle bien de leur mère. Donc, nous aussi, on peut. Donc, c'est fini. On n'a pas à imiter le truc classique de l'Occident qu'on veut nous donner. Notre société n'était pas faite mari qui avance, et femmes qui s'occupent de la maison, qui sert. Non, c'était pas ça notre société. Voilà. Emily Boom, ces propos me ramènent à vos personnages, évidemment. Je pense et à Anna et à Abby, puisque les relations avec leurs conjoints respectifs vont à un moment donné atteindre un point culminant de tension pour des raisons totalement différentes. Anna a épousé Louis, qu'elle a rencontré alors qu'elle était chez les sœurs. Un mariage un peu inattendu, puisque socialement, elle n'était pas censée pouvoir espérer épouser quelqu'un comme Louis, qui vient d'une grande famille, de haut fonctionnaire, si ma mémoire est bonne, et qui est promis à un bel avenir politique. Et pourtant, c'est ce qu'elle va faire, elle va l'épouser. Évidemment, il y aura un prix à payer pour ça. Et puis, Abby va épouser un Français, elle vit en France, elle épouse un Français. Et elle aussi, elle va payer le prix d'une certaine forme de liberté ou de provocation à travers une histoire adultère. Mais encore une fois, ce sont des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, même si ça passe par la douleur, même si ça passe parfois aussi par l'humiliation. Je pense notamment à Anna qui va découvrir qu'il y a une autre femme. Elles tracent leur chemin malgré tout. Elles n'ont pas peur d'être seules. Non, c'est le problème, c'est jamais vraiment la solitude, parce que ce ne sont pas des femmes qui pensent qu'a priori un homme est là pour te compléter et pour faire de toi quelqu'un de plus complet. J'ai écouté Charline et Géraldine avec beaucoup d'intérêt, parce que moi j'aime bien contextualiser quand on parle de femmes africaines. Elles ne sont pas si anciennes que ça, en tout cas dans mon pays. Les sociétés traditionnelles où hommes et femmes n'avaient pas forcément vocation à se compléter et n'avaient pas forcément vocation à ce que l'un suive l'autre. Beaucoup de choses sur la relation pyramidale dans le couple, avec l'homme comme chef de la famille dans une union monogamique et conventionnelle, est venue aussi avec l'Église, les églises, les religions, et avec l'administration coloniale. Donc il y a quelque chose dans la manière dont ces femmes se sont construites, une forme de compte à soi, et aussi de on peut négocier jusqu'à un certain point, on peut se construire aussi toute seule. Anna, quand elle découvre que son mari
voit quelqu'un d'autre, elle ne le quitte pas, mais en même temps, elle le quitte. Elle le quitte profondément, tout en gardant avec lui une forme de relation un petit peu amicale. Et ça vient avec le temps, évidemment, parce que la rupture est quand même là. Mais elle, ça ne l'empêche pas d'avancer, ça ne l'empêche pas de se construire. Et simplement, cette façon de se construire là, cette façon d'être femme et de s'inscrire dans une forme d'appartenance, elle ne la transmet pas à sa fille. Elle, elle la reçoit de quelqu'un d'autre parce qu'il y a une vieille dame dans le quartier qui lui dit « Mais pourquoi tu veux divorcer? C'est ridicule. Laisse-le partir et puis vis ta vie, en fait. Tu n'as pas forcément besoin de lui pour avancer, pour faire ce que tu as à faire. » Et ça lui convient tout à fait, cette séparation. Mais ce n'est pas quelque chose qu'elle transmet à sa fille. Ce n'est pas une explication qu'elle lui donne. Abby se retrouve avec des parents divorcés sans plus de sens que simplement cette séparation-là. Et quand elle a une liaison avec un autre homme et qu'elle est incapable d'expliquer à son mari, elle le dit d'ailleurs dans le livre que si j'osais, je te dirais, je ne l'ai pas fait contre toi, je l'ai fait pour moi. Il y a quelque chose là aussi qui est de l'ordre de, oui, à un moment, c'est de ça que j'avais besoin et je suis allée vers ça et ça a un prix. C'est une manière d'affirmer son individualité. Vous disiez tout à l'heure, le couple n'est pas dans la compensation, on va dire. Et c'est ce qu'elle affirme, et que lui, français, ne peut pas forcément comprendre, en plus. Ben, je pense que la plupart des hommes... Ce n'est pas une question oui, de français. La plupart des hommes ont un petit peu de mal avec ça. Mais en fait, elle le fait instinctivement. Elle n'est même pas en train d'affirmer quoi que ce soit, d'une certaine façon. Quand elle se retrouve à ce carrefour de sa vie, et d'ailleurs, c'est elle qui le séduit. Elle a cette démarche-là vis-à-vis de lui, sans forcément l'analyser et sans forcément savoir que sa mère, à une autre époque, a fait ce chemin-là à l'inverse, mais aussi cette quête de liberté qui lui a coûté. Alors, du coup, Charline Effa, j'ai envie qu'on dise deux mots aussi de ce livre-là, Naître, puisqu'il est question d'une mère et d'une fille. J'évoquais au tout début de conversation aussi les non-dits qu'il peut y avoir, les silences et la non-transmission, en tout cas par la parole, qui vient dans la deuxième partie du livre, mais où la fille va se construire ou se déconstruire sans le témoignage sans de repère, la mère. Oui. Sans repère et sans le témoignage de la mère. La mère qui est une mère douloureuse, qui souffre d'un mari qui la néglige ou qui ne lui donne pas ce qu'elle attend, et la fille qui, elle, va être la maîtresse de quelqu'un. Quel était d'ailleurs le point de départ de ce livre? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cette confrontation entre deux femmes qui semblent être opposées totalement, mais qui finalement sont évidemment, au-delà de la famille, intimement liées par une histoire? Alors, je voulais raconter comment les blessures de l'enfance, les fêlures, vont influencer la construction d'une femme dans sa relation à elle-même et dans sa relation aux hommes qu'elle rencontre et aussi dans sa relation au monde. Cet enfant qui arrive, Lucinda, qui est le personnage principal, est née d'un adultère. C'est vraiment un moment de transition entre une dispute conjugale entre papy Lara. Meza, qui est le personnage, Meza et son mari. Alors Meza qui quitte le domicile conjugal un moment parce qu'elle est maltraitée, elle est méprisée par un homme hautain, condescendant. Et justement pour sentir qu'elle est encore une femme, pour sentir que se sentir désirée, c'est tout à fait logique, elle prend un amant. Sauf que l'histoire ne va pas durer et elle se retrouve enceinte de cet homme-là. Et son mari, apprenant que sa femme est enceinte d'un autre homme, va la chercher pour lui dire « Tu rentres vite à la maison tout de suite, parce que si l'on apprend que tu n'habites plus chez moi et que tu es enceinte, c'est mon honneur. Et comme moi, je suis quand même directeur d'une grande société dans cette ville, tu n'as pas à me le faire. » Sauf que le mari, il est blanc. L'amant est noir. Je vous laisse deviner la suite. Et donc l'enfant qui arrive et qui naît et qui a des demi-frères qui sont métis, l'enfant arrive, il est noir. Qu'est-ce qu'on en fait? L'avortement, toutes les tentatives d'avortement de la mère n'ont pas réussi. Et la petite est confiée à une tante qui l'élève un moment. Elle est récupérée ensuite.
Donc, il va falloir coexister avec cette histoire, cette blessure familiale. Elle est mise de côté. Et quand plusieurs années, en fait, cette jeune fille va quitter le domicile conjugal, elle partira avec cet héritage, avec ses non-dits, avec ses silences, qu'elle essaiera de combler d'une certaine manière. Et en essayant de les combler, elle va faire des choix qui vont être compromettants vis-à-vis des hommes. Elle va s'amouracher d'un homme marié parce qu'elle se dit... J'ai vu ma mère mariée, que ce n'était pas la joie. Je me mets avec un homme marié, au moins, je ne l'aimerai pas. Ça va être une histoire d'une courte durée. Sauf qu'elle tombe amoureuse de l'homme marié. Elle tombe enceinte aussi de cet homme marié. Et elle revit, parce que cet homme lui dit d'avorter. Elle fait un avortement. Et elle revit, en fait, les blessures liées à son enfance. Et comme elle en a marre de toutes ces souffrances, de ces outrages, elle envisage de retourner à la source, vers sa mère, pour comprendre, pour meubler les silences, pour déployer, ouvrir la parole et pour enfin se guérir, se réparer. Géraldine Faladé, est-ce que, à travers les différents portraits que vous nous proposez dans Turbulente, vous avez noté un éventuel dénominateur commun dans le moteur qui fait la puissance de ces femmes ? Je m'explique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont aussi le fruit d'une transmission, c'est-à-dire que cette force qui va les pousser à être la première magistrate pour l'une, la première enseignante, la première sage-femme, ça vient d'une transmission qui viendrait de leur mère ou peut-être de leur père ? Ou au contraire, ce serait le silence de ceux-là qui pourrait les faire justement avancer ? Non, ça vient de leur famille. De leur famille aussi bien du côté père que mère. De leur famille du côté père et mère. Elles connaissent l'histoire de leur père, enfin, ou de la famille paternelle, pour beaucoup. Et elles connaissent aussi l'histoire de la famille maternelle. Donc, ça les a galvanisées pour avancer. Si je prends... Je peux prendre Solange Faladé que je connais, je peux prendre Madeleine Lee que je connais, je peux prendre Annette Mbaye, je peux prendre toutes ces femmes. Il y avait le côté de leur père et le côté de leur mère qui a fait qu'elles ont eu envie de rentrer dedans, d'avancer. Ça n'est pas toujours... Certaines viennent de familles qui avaient déjà reçu un enseignement, une scolarité, d'autres non. Et c'est malgré tout des familles qui vont inciter leurs enfants à se démarquer, à réussir. Si vous prenez par exemple Awa Keïta, sa mère n'était pas à l'école. Mais si vous prenez Awa Keïta, sa mère n'était pas à l'école. Mais son père est un ancien militaire qui a connu l'armée française. Awa Keïta, on va recontextualiser. Donc, c'est première sage-femme du Soudan. Elle a elle-même épousé un médecin. D'ailleurs, on parlait de divorce tout à l'heure. Elle divorcera pour des raisons... De famille traditionnelle. De tradition. Elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et elle va militer aussi pour la libération du joug colonial. Elle va militer, oui, pour la libération du joug colonial. Elle, ce n'était pas seulement les femmes. Elle a voulu l'époque du RDA. Et pour elle, il fallait amener... convaincre les femmes, les jeunes, qu'elles n'aient pas peur de leur maison, de leur truc, pour rentrer dans ce qui se passait, qui se préparait. Et c'est comme ça qu'elle a pu amener beaucoup de femmes, enfin beaucoup, des femmes en tout cas, dans le RDA, même en leur apprenant à ne pas avoir peur des colonialistes, des administrateurs, des gouverneurs, qui n'hésitaient pas à leur faire des ennuis. Ou alors, il y en avait une ou deux qui étaient mariées aussi à des Français. Mais vu la tournure et ce que représentait le RDA à l'époque, à l'époque coloniale, n'ont pas empêché leurs femmes africaines ou maliennes ou soudanaises, c'était à rentrer dans le combat du RDA pour la liberté. La nécessité également, on l'a évoqué tout à l'heure à travers votre livre, Emblé Boum, de... à la fois d'avoir accès à une éducation, à l'université, à un meilleur avenir, mais sans être obligé
de renoncer à son héritage culturel, familial. Ça aussi, ça a été, c'est un enjeu. Et on voit parmi les femmes que décrit Géraldine Faladé, certaines figures qui ont à cœur justement de ramener au centre cet héritage culturel. Je pense notamment, alors je vais juste retrouver son nom parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais cette femme qu'on appelait la Parisienne noire, Joséphine, qui va ouvrir cette boutique d'esthétique et de coiffure, et qui, à travers quelque chose qui paraît tellement anodin au cœur du quartier latin, va avoir finalement un rôle extrêmement important dans l'affirmation de l'identité africaine de la femme moderne. En tout cas, de la femme de nous autres de l'époque, en France, aux États-Unis, elles avaient déjà... Aux États-Unis, elles avaient déjà leur rouge à lèvres, leur tout ce que vous voulez. Mais nous, en France, on l'avait, enfin à Paris en tout cas, en France, on ne l'avait pas. Nous, à l'époque, quand, je vous le redis, quand on se tressait, on mettait un foulard dessus. Et c'est elle qui nous a amenés à ne plus les mettre. On n'avait pas des bas qui nous convenaient. Les bas qu'on nous donnait, qu'on pouvait trouver dans les boutiques à l'époque, nous faisaient des peaux, on fait un truc un peu gris-blanc ou je ne sais pas. Tandis qu'elle nous a amené des bas qu'il y avait quand on avait des bas. Donc, ce sont des petites choses, peut-être. La couleur du rouge à lèvres, les bons produits pour les cheveux. Pour les cheveux. On pouvait se défriser si on voulait. La seule chose qu'elle conseillait, ne vous abîmez pas le cuir chevelu. Bon. Et on pouvait aussi ne pas se défriser, on pouvait tout simplement se tresser, mais laisser-les à l'air libre. On faisait des jeux dessus. Et alors que les boutiques, comme Hélène Rubin, enfin certaines boutiques, plutôt, moi j'ai fait comme reportage aussi, nous incitaient au départ à faire autrement. Tandis qu'elle, malgré ça, elle n'était pas très riche, et ce n'est pas nous qui avons pu l'enrichir avec nos petits argents. Bon. Elle nous a quand même permis de le faire. Et aujourd'hui, on voit toutes ces filles, toutes ces gamines, enfin pour moi, ces gamines, nous trouvons qui ont les cheveux en l'air, qui font ce qu'elles veulent, elles mettent toutes les couleurs qu'elles veulent, elles ne le mettent pas, elles le truc, elles le torsades et tout. Mais on n'osait pas, nous, on n'a pas osé. On n'a pas osé. Hemley Boum, le personnage d'Anna, vous l'avez dit tout à l'heure, à travers son éducation auprès des sœurs, va être confronté aussi à cette question qui semble devoir être un choix. En réalité, elle se rendra compte plus tard que les choix, c'est elle qui les combine comme elle le veut, mais sur le moment, l'éducation qu'elle va recevoir auprès des sœurs va créer une forme de scission avec sa mère nourricière. Qui pourtant l'incite à l'éducation et à confier sa fille adoptive aux sœurs pour l'éducation, mais ça va trop loin. Oui. C'est-à-dire que sa grand-mère qui l'élève, elle prévoit presque la perte. Au moment où elle lui confie, Anna à l'éducation aux bonnes sœurs, en fait, pour être éduquée, d'une certaine façon, elle s'attend à la perdre et elle accepte. Elle accepte de se séparer pour que Anna vive une autre vie et connaisse d'autres choses. J'étais en train d'écouter Géraldine et je me disais, il y a eu tout ce courant des années 60 avec toutes ces femmes noires qui se sont battues et qui se sont engagées, mais elles étaient tellement nombreuses à ne pas le savoir. À ne pas savoir qu'elles avaient des modèles, des femmes éduquées et engagées à qui elles pouvaient ressembler. Pour la lutte des indépendances, de l'indépendance camerounaise, ce sont des villageoises, des hommes et des femmes, des paysans qui se sont engagés, des hommes et des femmes, et qui se sont engagés et qui ont été tués, en fait, qui ont payé un lourd tribut à ce combat-là. Et en fait, elles n'apparaissent nulle part. Elles ne sont pas inscrites. Et pendant des années, pendant toutes ces années 80, on a vu nos mères se défriser les cheveux sans se poser de questions. Au point que certaines maladies gynécologiques qui attaquent les femmes noires, on se demande si elles ne viennent pas de ces produits que pendant des décennies, nos mères, pendant qu'elles étaient enceintes, il y a des moments où on se défrisait à la chaux. Oui. Pendant des décennies, on mis sur leurs cheveux et on ne savait pas. Moi, ma mère, elle est revenue à ses cheveux naturels avec nous,
avec mes sœurs et moi, quand tout d'un coup, elle nous a vu faire des tresses, laisser... Pourtant, il y a eu toute cette période afro, il y a eu toutes ces femmes magnifiques dont parle Géraldine, elles ne l'ont pas su, en fait. Et ça ne les a pas empêchées, elles, de mener les combats pour leur propre liberté. C'était sans doute beaucoup plus complexe. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, y compris dans les figures féminines que brosse Charline. Il y a une vraie désacralisation de la femme africaine. On n'est ni dans la mère que les hommes africains encensent tellement, leur mère bénie qui a tout fait pour eux, etc., ni dans la pute magnifique. On est sur des femmes qui sont complexes, qui se sont construites dans des sociétés où on n'avait pas forcément entendu parler de négritude, on n'avait pas forcément entendu parler de tout le mouvement Harlem Renaissance. Évidemment, elles dansaient sur tous les rites parce que la musique, oui. Voilà. Mais c'était, voilà. Et elles se sont construites là. Est-ce que ça s'appelle féminisme, ce qui s'est mis en place ? Vaste question. Alors, Charline, vous avez la réponse, vous ? Est-ce que ça s'appelle féminisme ? Je ne pense pas que ça s'appelle féminisme, même si, en regardant un peu ce qui se passe sur Internet, des féministes afro-péennes se sont emparées de ces mouvements-là, de ces années. Je me souviens, j'ai eu une maman syndicaliste, c'est-à-dire que les années 90, les mouvements démocratiques arrivent, les femmes ne peuvent plus danser. Les femmes sont éduquées, elles sont diplômées, elles travaillent, ma mère et ses amis, hommes comme femmes, vont revendiquer un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas arriver sur la scène, elles vont participer en fait au débat public, mais pas en se considérant comme femmes, en se considérant comme individus. Et dans leur lutte, elles vont embarquer les hommes avec elles. Et les résultats, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont des enseignants, ma mère, elle était enseignante, qui sont des enseignants et qui ont ces acquis-là qui viennent de ces combats qui ont été menés par ces syndicalistes des années 90. Pourquoi ? Parce que le féminisme, s'affirmer comme féministe, c'est quelque chose qui fait peur. On y voit de la violence. Ça évoque la castration de l'homme. Et ces femmes, je pense qu'elles avaient compris qu'elles avaient juste besoin de meilleures conditions de travail. Elles avaient besoin d'être rémunérées autrement. Et elles ont associé les hommes à ça. Et je pense que c'est ce qui manque un peu au féminisme actuel. Aujourd'hui, on va dire, les femmes vont se lever, elles vont ériger l'homme comme étant l'ennemi, alors qu'il y a des hommes aussi qui ont besoin de se faire entendre. Alors si les féministes associaient les hommes à leur mouvement, je pense qu'on aurait des résultats plus probants. Géraldine Faladé, dans une autre rencontre, nous avons évoqué la question du féminisme, mais j'aimerais bien que vous nous disiez ici comment vous voyez les choses. J'ai l'impression que ce qui vient d'être dit doit faire écho en vous. Quand je vous demande si les femmes dont vous parlez, les 17 femmes dont vous parlez dans Turbulente, sont des féministes, qu'est-ce que vous me répondez ? Les 17 femmes dont je parle... Le micro. Les 17 femmes dont je parle et celles dont je parlerai de l'Afrique du Sud, parce qu'il y en a eu, pour moi, sont des militantes. Toute la nuance. Alors, je vais vous proposer de voir si... De l'époque. Des militantes de l'époque. À l'époque, les femmes dont j'ai parlé, de l'Afrique occidentale, et je parlerai de l'Afrique de l'Est, parce qu'il y en a eu, pour moi, sont des militantes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est venu un peu brutalement, je vous le concède. Mais je crois qu'on doit même avoir un micro à faire passer. Je ne vois pas la personne avec le micro, mais est-ce que... Je ne vois pas bien si vous avez une question. Ah, où ça ? Où ça ? Elle ne jouait pas pour leur carrière. Quelqu'un a demandé le micro ? Non. Ça fait toujours ça quand je... Si vous n'avez pas le courage de poser la première, posez la deuxième, comme on dit. Hein. On fait la première, on passe à la deuxième. Voilà. Il y a ni première ni deuxième, on a tout dit. Vous êtes sûr ? Non. Chaque génération a donné... Ah, si, là-bas, monsieur. Ah, c'était un homme.
Un homme, mais c'est parfait. Un homme qui n'a pas peur, manifestement. Mais bonsoir, merci. C'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que j'ai voulu suivre cette conférence. Et à vous voir, c'est un plaisir énorme que je ressens de vous voir parler d'une certaine Afrique, de cette Afrique des dames, dont on parle moins, dont on connaît moins, on connaît peu finalement les visages. Vous êtes en train de parler des femmes qui ont fait l'Afrique d'une certaine façon. Vous êtes en train de parler des femmes qui, à une certaine période, ont introduit en Afrique une certaine substance qui, aujourd'hui, finalement, a donné des fruits et dont on ignore, en fait, la source. C'est cette Afrique de nos mamans, cette Afrique de nos sœurs, cette Afrique de nos tantes, cette Afrique de nos grands-mères. Et aujourd'hui, malheureusement, cette Afrique de ses mamans, de ses sœurs, de ses tantes, elle est méconnue. Elle est presque invisible. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Comment aujourd'hui parler de cette Afrique, de ces dames qui ont eu en fait ce réflexe, cet instinct de dire les choses, de vivre les choses, de faire les choses avec courage, de telle sorte que les hommes, que les femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui le sachent et qu'elles s'élèvent. Parce que finalement, je pense que cette Afrique, elle a besoin de ces femmes-là. Elle a besoin de ce souffle qui finalement est né depuis quelques décennies déjà. Comment aujourd'hui pourrez-vous en fait apporter ce courant, ramener ce courant en Afrique de façon que les jeunes filles, les jeunes garçons en entendent parler? Merci. Merci, monsieur. Qui veut répondre? Donc la question, c'est comment faire en sorte que les jeunes filles aujourd'hui en Afrique soient portées par cet élan dont il est question dans les livres. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Emelie? Pour répondre un peu simplement, c'est bien pour ça que c'est bien pour ça qu'on écrit ces livres. Mais pour aller plus loin, je voudrais dire que cette histoire-là, elle est écrite dans les livres, mais elle est aussi dans la réalité des vies familiales. Elle n'est pas complètement, même quand elle n'est pas racontée, même quand elle est recouverte de silence, chacune, si elle ne sait pas qui est sa mère, en tout cas, elle le devine. Et il y a une histoire qui va s'archiver et s'écrire aussi dans le rapport que les hommes et les femmes vont avoir entre eux, dans le rapport familial des hommes et des femmes. Quand on parle à l'intérieur du lien conjugal, quand on parle de la soumission ou de qui prend la parole, n'importe qui peut dire un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, à l'intérieur du lien familial. Le questionnement, c'est comment tout ça se traduit à l'extérieur. Une fois que les femmes sortent, ce que l'époque actuelle nous apporte, et c'est important parce que ça, c'est assez nouveau. Les femmes africaines ont toujours travaillé parce que c'est des sociétés pauvres, tout simplement, et que toutes les forces vives sont appelées à travailler. Hein. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes ou plus malines que les autres, ce qu'elles sont, par ailleurs, mais enfin, ce n'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Elles ont toujours travaillé, mais aujourd'hui, ça s'inscrit dans une culture économique. Elles ont des carrières, elles sont politiciennes, elles sont visibles. La question, c'est comment aujourd'hui ces femmes-là se sont appuyées, parce que c'est ce qu'elles ont fait. Quel est le lien avec les femmes qui nous ont précédées? Qu'est-ce que ça fait de nous dans le présent? Et finalement, qu'est-ce que nous transmettons? Il y a tout un questionnement qui nous concerne tous là aujourd'hui dans la façon dont nous reconstruisons nos liens à l'intérieur de nos pays. Sachant que les questions qui se posent partout dans le monde sur la femme, l'homme, enfin voilà, l'économie, qui gagne plus que qui, pourquoi, quelle est la visibilité de l'apport des hommes et des femmes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, comment tout ça, cette représentation-là existe aujourd'hui.
Merci, Emblaise. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, moi, je veux répondre à ça. Ah, attendez, deux secondes, on a une réponse aussi de Géraldine Faladé. Moi, je pense qu'il faut surtout aller vers la jeunesse. La jeunesse, elle fait. Elle fait beaucoup de choses. On n'en parle pas ou on ne le sait pas. Mais ceci, c'est parce qu'on n'a pas aussi un moyen de communication. Ce n'est pas seulement l'écriture, c'est par les moyens de communication qui soient les nôtres. À partir du moment où on n'a pas ça, ce qu'on fait ne sera jamais porté ou faire porter, avoir la valeur, la puissance qu'elle a. Or, on fait, que ce soit fille ou garçon, la jeunesse fait. Mais on n'a pas, on a Africa 24 ou je ne sais pas quoi, mais non, on n'a pas un moyen de communication qui soit vraiment les nôtres, qui porte. Et ça, c'est très important. On écrit aussi, mais on écrit. Mais pour que ça soit publié en Afrique, pour que ça arrive en Afrique, quand c'est fait ici, c'est la croix et la bannière. C'est pas normal. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent, qui fait qu'on n'arrive pas à faire sortir ce qui se fait. Mais quand on fouille, mais bon Dieu, il y en a, ça se fait dans les start-up, dans les ceci, dans les cela. Il y en a, vraiment il y en a. C'est tout. Rassurez-vous, jeune homme, aidez-nous alors. Charline voudrait intervenir aussi. Oui, j'aimerais réagir au sujet de la visibilité de ces femmes-là, de ces modèles-là qui pourraient impacter les femmes d'aujourd'hui ou celles qui ont l'âge de nos enfants aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est vrai qu'on a écrit des livres et on aimerait être lu par ces personnes pour qu'elles aient accès à ces figures féminines-là. Mais il y a aussi l'ordre de... Je pense qu'il faut aller... Je ne suis pas très partisane de ceux qui disent que c'était mieux avant, mais quand même, parfois, c'est vrai que c'était mieux avant. Je pense qu'il faut reconvoquer notre histoire lorsque nos traditions ancestrales, lorsque nos structures sociétales d'avant ont rencontré la religion, ont rencontré le christianisme. Il y a eu une déconstruction de nos structures sociales et cette déconstruction nous a fait perdre un certain nombre de valeurs. Lorsque moi, je regarde par exemple l'histoire du nom. En Afrique, quand tu nais, quand tu arrives au monde, tu es une femme, tu portes ton nom, tu t'identifies, tu es singulière. Il y a une histoire dans ton nom, tu le portes. Et quand tu épouses un homme, tu gardes ton nom. Donc la femme s'affirmait de façon, elle arrivait au monde avec sa singularité. Et mais lorsque le christianisme est venu faire son travail, les politiques aussi, la déconstruction de nos sociétés a fait que les femmes passaient de filles d'eux à épouses d'eux. Donc, on vivait entre deux hommes, enfants d'eux, filles d'eux. Et je pense que cette déconstruction-là, on l'a mal vécue en Afrique et ça fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à nos féminismes, par rapport à la transmission aussi et par rapport à notre rapport au monde. Oui, Emily. Non, mais la question, bon, on y sera encore demain. C'est passionnant ce que dit Charline sur le nom, parce qu'au Cameroun, c'est très évident. Avant qu'on ne mette en place cette histoire de l'enfant porte le nom de son père, chez moi, l'enfant avait un nom et on disait fils de sa mère. Et c'était logique parce que la mère, on est sûr, c'est la mère de l'enfant. Le père, vite fait. Et c'est d'une logique implacable. Oui, voilà. Et dans ces sociétés extrêmement pragmatiques, tu avais ton nom à toi et la suite c'était fille de tel. Et dans certaines ethnies, on a simplement traduit le fille de en fille de ta mère en fille de ton père. Ça, les nouvelles lois administratives qui sont arrivées ont tout simplement changé ce lien à la mère, au lien patriarcal. Et aujourd'hui, il est évident, je ne vois même pas comment on pourrait interroger ce rapport patriarcal à la parentalité. Et c'est vrai que c'est profondément bouleversant dans une société où l'enfant est rattaché à sa mère, de dire maintenant il est rattaché à son père.
Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que aussi au Cameroun, on voit, je parlais tout à l'heure de classe sociale, mais au Cameroun, c'est très visible, notamment avec les peuples de la côte et les peuples qui sont plus à l'intérieur des terres. On voit très bien que ceux de la côte, il y a 3 ou 4 générations déjà que les enfants ont les noms de leurs pères. À l'intérieur des terres, on donne encore des noms propres aux enfants. Donc tout ça se met en place. C'est un temps, nous sommes de vieux peuples, mais nous sommes de jeunes nations. Et il y a quelque chose qui se met en place tranquillement. J'ai envie de terminer sur cette phrase que je trouve très belle. Vous êtes de vieux peuples, mais de jeunes nations. C'est une phrase à la fois pleine d'espoir. Le sujet, c'était femme africaine et puissante. En tout début, avant que nous parlions dans les micros, Géraldine Faladé disait « J'ai le cœur qui bat ». Elle voulait parler de sa peur, mais je pense que ça veut surtout dire ça, être une femme puissante, c'est avoir le cœur qui bat, c'est écrire des livres, c'est être journaliste, c'est de ne pas avoir peur de se lancer dans la vie indépendamment des injonctions familiales, culturelles, politiques et sociales. Je voudrais remercier ces dames de tout mon cœur. Aime les Boom, Les jours viennent et passent, c'est aux éditions Gallimard, Prix Kuruma 2020. Géraldine Faladé, Turbulente, des Africaines en avance sur leur temps. 17 portraits que je vous invite vraiment à découvrir, ça ouvre les yeux sur 1 milliard de possibles. Charline Effa, La danse de Pilar aux éditions La Cheminante et Naître, puisque ce sont les livres que nous avons évoqués. Merci beaucoup mesdames et merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous.